j'imagine. Très bien. C'est juste un Grungor. C'était un Grungor. Ah, bon voilà. C'est vrai, j'ai oublié de préciser notre deuxième épreuve momentanément hors série. Du coup, vous pouvez continuer. Waouh, le retracing. Tu peux nous aider à récupérer ce boulon en or, Glitch? Le distributeur de nourriture du Grungor est... Et c'est parti. Ratchet pourra utiliser cet ordinateur en un rien de temps. Je n'ai qu'à éviter de me faire encore piéger par les virus. Allons-y. Ça va où ça? Et de 2, enfin 3. Est-ce que je serai suffisamment fort pour réussir à les arrêter? Si j'échoue encore, si j'aggrave les choses, qu'est-ce que je raconte? Je dois faire quelque chose. Sinon, qui d'autre le fera? Ratchet pense qu'il s'agit d'un virus informatique ordinaire. Je vais où là? Là, je suis revenu au départ. Et de où le... Ah, il est là. Voilà. Ces virus sont aussi malins que je le crois. Les derniers nids ne vont certainement pas se laisser faire. Là, je reviens en arrière, là, non? Totalement. Monter par là. Dégagez le passage. Ah c'est là. C'est lui là. Dégagez le passage. Voilà. Parfait. Voilà une bonne nouvelle, Glitch. Vous? Nous ne voulions pas t'interrompre. Mais ne t'en fais pas. La prochaine fois, nous parlerons face à face. Eh bien, j'ai déjà hâte d'y être. Tu as survécu. Impressionnant, super. C'est ainsi que le capitaine. Parti en quête du grand trésor légendaire. Mais il était bien loin de se douter que son vaisseau serait attaqué. Derrière toi, Phoebus Tyr.
Ouais, super. C'est bon là. Et voilà. Ah merde. Ah non, ok, j'ai pas joué d'arme. Bah, bah si, bah pourquoi je peux pas utiliser la rose toxique alors? Voilà. Mais attends, mais vas-y, mais sérieux, y a eu un bug. C'est une blague. Mais sérieux, il y a eu un bug quoi. D'ailleurs ouais, je vais essayer le bombardier. Yes. Le danger n'est jamais très loin. Oh, c'est ce trouble. Les pirates attaquent de toutes parts. Courage, je ne peux gagner. Merde. Parfait. Et d'autres là-bas, non? Non, c'est bon, personne en fait. Bam 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 bam. Allez 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 allez. Non 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 non. Tiens, encore un peu. Encore un peu, voilà. Et voilà. Après tant de combats acharnés, le trésor. Le genre de capitaine. Quoi?
super. Hey, pas mal du tout. Vous avez survécu. Le fameux capitaine. Quoi? Espèce de pirate. Des pirates réduits de 10%. Bien ça. Des codes marteau. Vas-y, bah Robert aussi. Je veux dire, hourra! Le capitaine est juste un peu plus loin. Enfin, comme quoi Pierre nous a bien dit la vérité. Voyons d'abord ce qui nous attend exactement. Oh non. C'est peut-être sa manière à lui merde. De te féliciter. Je me passerai de ses félicitations. Hatchet, merde. En vrai, je serais allé sans, même sans ça. Alors, capitaine, quoi? Dis-moi un peu ce qui t'amène. Vous êtes... en danger. L'empereur a un... Dimensionnateur. Vous êtes au courant? On l'a mis sur écoute. La plus grande victoire des pirates. Alors, en fait, c'est plutôt lui qui est en danger. On pourrait prendre l'empereur de vitesse avec ça. Ça? Mais c'est... C'est mon visage. Mais vous n'êtes pas un robot. Hein? Tu oses? Minute. Cette dimension a un quark? Quark? Je suis Quantum. Capitaine Quantum. Meurtrier. Non, c'est moi. C'est bien moi, Quantum, vous voyez. Vous allez payer pour avoir ainsi déshonoré la tête de notre capitaine. Tous les deux. Non. Eh merde. Évidemment, pas laisser porter le coup. Allez, hein, dégagez tout ça. Moi, je vais d'attaquer une fille comme ça, ça marche. Hein. Après, il y en a un ou deux qui passent, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Voilà, je passe, je ramasse tous les cristaux. Et merde. Je vais prendre ça aussi. Voilà. Il n'en reste plus qu'un. Est-ce que ça va jusqu'à là-bas? Ah ouais, ça va jusqu'à là-bas. Vas-y, bah je le reprends et je vais jusqu'à là-bas. Hein.
Ah merde. Voilà. C'est fini. À vous de me le dire. Est-ce que c'était le dernier? Eh bien, si je rassemblerai mes matelots pour lancer une contre-attaque. Mais je ne le suis pas. Alors, qui sait? Ça ne me dit rien qui vaille. Ah ah, on sera bientôt prêt à décoller. Dépêche-toi d'aller au poste de commande super. Ouais, ok, tu sais déjà. Est un autre os ou quoi? N'essayez pas de me faire la peau! Je serais tellement ému en ce moment! Encore un petit peu et on sera bientôt à puissance maximale! Allez. Où va donc ce vaisseau? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Déployez le rayon pilleur! C'est une embuscade! Eh merde! Oula là là, il y en a trop là. Bam 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 bam. Ok, tranquille. Ok, tranquille, tranquille. Boum 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 boum, voilà, plein d'effets partout partout. Merde. Ah d'accord. Ah ouais. D'accord. Nickel. Boum boum. Et donc? C'est pas quoi avec ça? Je peux aller dessus, je peux rien faire. Oh merde. Voilà. Allez, on désactive ça. Rayon pilleur est désactivé. Montez à bord. Vous savez, je trouve que vous êtes plutôt doué en pirate. Est-ce que ça vous dirait de rejoindre mon nouvel équipage? Je fournis le chapeau. Merci, mais
je crois vraiment qu'on devrait d'abord filer en vitesse avant que les pirates ou l'empereur rappliquent. L'empereur ? Il n'y a aucune chance qu'il arrive à s'approcher de toi, celui-là. Ouais, bien sûr. Bah tiens, une faille. Ouais, c'est ta réponse. Déjà ? J'ai perdu le contrôle. Non, non, ils sont insabordables. Vous parlez de cet énorme canon gigantesque ? Ça va nous expédier droit sur Pokitaru. Il faut le désactiver. Sans blague. T'as raison. Il doit bien y avoir un truc qu'on pourrait utiliser. Allez, meurs quoi. Merde. Oula. Tu as presque rien senti. Là tu as presque tout senti. Voilà. Ou pas. Oh shit. Il arrive. En fait, c'est le fameux Kraken là de début du jeu. Je viens de me rappeler. Tu l'as mérité. Alors, ce capitaine Quark, c'est aussi un pirate dans la dimension d'où tu viens ? Non, c'est un héros. Enfin, il lui est arrivé de nous trahir, de capituler pour sauver sa peau, de voler notre gloire. Oh, c'est un héros ? Eh bien, il a beau avoir l'habitude de se défiler, il est toujours là quand on a le plus besoin de lui. Je crois qu'il fait de son mieux. Les dimensions sont en train de s'effondrer. L'empereur est devenu tout-puissant et ma vie est en danger. C'est le moment idéal pour me reconvertir. Qu'est-ce que vous faites ? Un truc de héros. Ok. Nous a sauvé la mise. C'est dingue. Nous devons le dire à Rivette et Kit. Oui, dès qu'elles en auront fini sur Sargasso. Allez, maintenant on va sur Sargasso. Tout se passe bien pour elle là-bas. Et maintenant, il a le dimensionnateur. Nous réussirons à sauver tes amis. Alors, si on part du principe que Ratchet est mon double dimensionnel et que Clank est ton double dimensionnel à toi, on est... censé faire équipe, nous aussi. Ils ont l'air de bien s'entendre. Ouais.
Mais moi, j'ai plus l'habitude d'être toute seule. Moi aussi. Peut-être que c'est juste temporaire. Obligé de se bagarrer? Et si on en discutait plutôt autour d'une bonne limonade? Non! L'empereur méprise la limonade. Rien ne devrait être à la fois acide et sucré. C'était bon, okay. Cher. Super. Personne n'a le droit de s'attaquer aux morgues. L'empereur est vraiment abominable. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? L'amour? L'amitié? Non! C'est cribler ses ennemis de centaines de balles! Encore! Encore! Et encore! Le fléau cosmique met une seconde à se lancer, mais après ça... Oul. Ça, pas mal en vrai. Cette arme a un besoin urgent d'amélioration. T'as envie d'améliorer la route aussi, que t'en connais. Voilà. Cette arme est à tomber par terre. Ensuite, vas-y, celui-là. Voilà. J'aime beaucoup ce que je vois là. Et voilà. On va faire la fin.